Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le samedi 8 octobre 2022 et je suis sur la voie verte. Voilà, parce que ça tire à tout va dans les bois, il est 8h30 et j'ai déjà entendu péter je ne sais combien de coups de feu là. Vous entendez ça? Voilà. Voilà. Et voilà, je me poursuis. Alors, ben, il y a tout un petit parcours pédagogique, on va dire, avec des petits panneaux explicatifs de tout ce qui se passe sur les rives de la Meuse. Voilà, donc c'est une écluse automatique. Les bateaux se présentent. Ça s'ouvre, ça monte, ça redescend. L'ascenseur, quoi. Donc, ce que vous voyez là-bas, c'est un barrage. Alors ça sert à régler la hauteur de l'eau. Hein. Parce que la Meuse est un fleuve complètement irrégulier, donc il y a toujours barrage, écluse. Hein. Alors ça, c'est un rosier sauvage. Alors, donc les fruits, on appelle ça des gras de cul. Hein, parce que à l'intérieur, il y a du poil urticant. Mais il faut attendre les premières gelées. Et à l'intérieur, tout se transforme et ça devient une confiture, mais vitaminée, que vous pouvez manger par plaisir. C'est bourré de vitamines, c'est plus vitaminé qu'une orange. Hein. Donc vous voyez en face tous ces petits chalets, toutes ces petites cabanes, les bateaux, les barques, tout ça c'est des pêcheurs. Là le TGV les copains. Eh bien, je peux vous dire que depuis un peu plus d'une heure que je suis parti, hein, je n'ai croisé personne. Pas un randonneur, pas un cycliste, pas un jogger. Personne, personne. Pourtant, nous sommes samedi. Alors, voilà quoi. C'est bizarre parce que sur la voie verte, il y a toujours du monde. Hein. Bon, ben là, je fais un petit crochet par les bois. Parce que j'aime bien. Bon, c'est en bordure en même temps de la voie verte. J'arrive à côté du château du Ridou. Là, une belle petite cabane. Là. Oui, voilà, c'était juste un petit crochet, puis je redescends. La voie verte est là, la Meuse aussi. C'est vraiment un petit crochet de quelques mètres. C'est parce que j'aime bien ce coin là. Et là j'avais pas vu cette cabane là, c'était une urbine le truc dans le temps là. Voilà une dépendance du château du Ridou là. Ils ont allumé deux feux, tu vois, à chaque extrémité. Eh oui, en plein bois c'est mis dans les copains. Et ben voilà donc le château du Ridou hein. Alors on y fait des mariages, on y fait des baptêmes, on y fait des gîtes, bars, restaurants, enfin, il y a tout ce qu'il faut ici. Voilà, domaine château Le Ridou. Louer un château entièrement pour vos vacances ou rester en famille dans un gîte. Domaine privé, visite uniquement sur rendez-vous. Ah oui, des poneys, des chevaux. Il y a tout ce qu'il faut ici dans ce domaine-là. Et bien voilà, on vient de passer le Ridou et je continue vers Vireux. Vous voyez, ça c'est un chemin qui est emprunté par les castors. On voit leurs traces boueuses. Voilà. Et voilà, le castor. On a vu le chemin là tout à l'heure qu'empruntait le castor. Donc ici, on n'est pas au Canada, mais on a aussi des castors. Eh oui.